Alpes-Pépic, jour 2 et première étape au long cours. 61 km au programme. L'heure est à ne rien oublier dans son sac avant le départ. Moi j'ai pris le minimum, quelques gels, quelques barres énergétiques et puis le matériel obligatoire. Donc, c'est-à-dire la couverture de survie, du désinfectant, du liquide physiologique, quelques sparadraps, pansements et de la bande strap. Et le téléphone pour les cas d'urgence. Et puis certains utilisent quelques moyens monotechniques super, à l'ancienne. C'est super, ça permet de voir où on en est et ce qu'il reste à faire. Quoi. Voilà, c'est très bien. C'est un petit document de torture quand même. Ça peut être de torture si on est dans la misère, mais sinon c'est bien de savoir où on en est et de pouvoir voir ce qui nous reste vraiment comme difficulté. The best thing for me was the first two descents. They're really, really technical, really difficult. It's proper mountain biking. You have to really concentrate and it's hard to go fast, but we love that and it's really exciting. Yeah, it's brilliant. It was really, really beautiful when we got round near the Izouard and looking down into the valley. And yeah, the scenery was spectacular, beautiful. Une étape qui ouvre les grands espaces des Hautes-Alpes. Pas sûr que les premiers aient eu le temps d'admirer le paysage. Le duo franco-allemand du team Rose Vaujani décroche la victoire d'étape et reprend 34 secondes au leader. Le match est lancé. What a day! So your impressions, Stefan? 1 minute 30, 2 minutes. Bon, c'est pas. On va dire c'est quasi rien quoi sur un truc comme l'Alpes. Pour nous, c'est important d'avoir une victoire d'étape. C'est la première étape, ça fait du bien au moral. Ça montre qu'on n'était pas complètement collé hier et que voilà. Il faut gérer le truc maintenant. Une bonne douche, bien manger, profiter du lit et on verra demain. Ouais. Et pourquoi pas profiter dès l'arrivée d'un bon massage? 4 masseurs professionnels de la société Massage Event proposent des massages de récupération en appliquant la méthode appelée Ayurveda. Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc on travaille sur les énergies et en fait on peut très bien l'adapter sur du massage de récupération sportive. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à réussir à réoxygéner le muscle de façon à ce qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible parce que demain ça recommence. Et donc là le but c'est vraiment de les remettre sur pattes tout de suite. Puis ensuite ils iront prendre un super déjeuner, ils vont bien s'hydrater, ils vont passer une bonne nuit et puis demain on sait. C'est le bonheur absolu après avoir forcé toute la journée là. Ça pouvait pas être mieux. En plus on est à l'ombre avec des sympathiques kinés. C'est le pied. Une belle journée qui en appelle une autre. Ce mercredi, au départ de Montgenèvre, 70 km avec plus de 3000 mètres de dénivelé vont conduire la caravane de l'Alpes-Pépic à Puy-Saint-Vincent.